Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Récup Idée de Génie. J'ai acheté un siège de toilette, donc une chaise de toilette, qui est très facile à monter. Donc la marque c'est Moby Clinic. Et alors, donc, il y a deux parties comme celle-ci, donc la partie accoudoir, vous voyez. J'ai déjà mis la première sans vraiment serrer encore. Hein. Et alors, il y a une partie déjà attachée avec le fauteuil. Enfin, la toilette, pardon, la lunette de toilette. Alors, il y a également une autre partie qui sera donc celle-ci, c'est le dossier. Avec, vous avez le petit seau et son couvercle qu'il va falloir positionner en dessous. Et alors, j'ai reçu donc 6 vis, 6 écrous et 6 flottes. Parce qu'il y en a pour 6. Alors également, il y a une clé pour serrer et une clé Allen. Je crois que ça s'appelle comme ça en fait. Oui, c'est une clé Allen. Voilà. J'ai mis la vis. Je mets l'écrou et le boulon. Je vous reprends parce qu'à une main c'est difficile. Avec ceci qui était inclus dedans, regardez, c'est un petit peu trop grand. Et alors il y a la partie ici éventuellement qui pourrait le faire, mais bon, c'est encore un tout petit peu. Voilà, il faut vraiment travailler. Je sais pas comment ils ont fait leur compte, mais donc je vous conseille d'avoir votre propre matériel, ce sera plus prudent. Voilà, donc voilà, j'ai un peu desserré, pas un peu, beaucoup, j'ai dû desserrer de chaque côté. Puis ici, je vais un peu plus desserrer et mettre la flotte à l'intérieur pour pouvoir d'abord mettre la partie dossier. Sinon, ça sera galère. Donc, je ne sais pas si au cas où, je vais voir tout de suite si il ne faut pas absolument changer au moins d'un côté la vis et en mettre une plus longue. Je verrai si j'en ai encore. Voilà, donc c'est pas tout à fait à 100% super top qualité du coup, mais bon, on verra à l'usure ce que ça donne. Donc voilà, j'ai été positionné le petit seau. Alors je pense que l'idéal c'est de le positionner comme ceci en fait, avec la poignée vers l'extérieur, je pense. C'est comme ça, je vois pas trop. Ouais, c'est comme on veut, juste qu'il y a des petits rebords. Donc on va faire comme ça, hein, comme si on était dans les toilettes. Voilà, on va faire ainsi. On va voir un peu d'en haut. On va le mettre bien à l'arrière. Non, c'est bon. Écoutez, c'est bon. Alors, on peut régler également la hauteur. Donc, vous voyez, il y a des petites encoches comme ça. Il suffit d'appuyer dessus si vous voulez l'allonger. On appuie dessus et on fait glisser, on tourne le pied vers un côté, à l'arrière ou à l'avant, et puis on l'augmente. Donc, on appuie sur le petit, enfin, je dois appuyer, regardez, on appuie là-dessus tout simplement et on tourne le pied. J'appuie et je tourne. Voilà. Et donc là, du coup, je veux le monter un petit peu. Je retourne pour retrouver le petit. Voilà. Et il ressort. Et il est au troisième. Donc, et là, on peut le mettre donc plus haut. On peut le faire plus haut ou plus petit. Ou alors, si vous voulez, tout dans le fond. Hop, pareil, on appuie dessus. Hop, je vais le faire. Hop. Je vais le descendre étage par étage, on va dire ça comme ça. Voilà, on entend le petit clic, c'est parfait, c'est qu'on est à la bonne dimension. Donc moi ici, je vais le mettre au deuxième. Voilà. Ok, parfait. Ça a l'air de cliqueter un petit peu. Je pense que ça doit être dû aussi aux caoutchoucs qui ne sont pas bien intégrés. Mais j'ai essayé de m'asseoir dessus et là effectivement ça ne bouge plus. Mais voilà, sinon grosso modo c'est pas trop mal.
Bien sûr, c'est pas à 100% de haute qualité, malgré que c'est un produit qui est utilisé pour les cliniques. C'est léger, déjà, ça c'est pas trop mal aussi. C'est intéressant, on peut mettre ça dans la pièce souhaitée où il y a la personne qui a des difficultés à se lever pour aller dans une toilette traditionnelle. Moi, je l'ai acheté parce qu'avec la chaise roulante, aller dans les toilettes sont un peu petites. Mais donc, du coup, je me suis dit qu'avec ça, ma fille va avoir un peu plus facile pour aller aux toilettes. Et bien voilà les amis, cette vidéo est terminée à présent. Je vous remercie de l'avoir visionnée. Merci à tous les abonnés. Merci à tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à liker, à partager et parler de ma chaîne s'il vous plaît. Portez-vous bien et à bientôt !